Hey yo tout le monde, c'est Simo, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je vais très très bien. Et nous revenons avec nos amis. Bonjour Wefet. Raoula. Bonjour Raoula. Bonjour. Allez, Raoula ici elle est bien, tu vois, Wefet, elle est heureuse. Du coup c'est très très bien. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est que Raoula doit aller au travail. Du coup elle va travailler tout de suite. Et tu ne vas pas boire de verre d'eau. Allez, travaille maintenant. Va travailler. Va travailler tout de suite. Voilà. Et vu qu'elle va presque avoir sa promotion, bah, on va dire, elle va... Qu'est-ce qu'elle va faire? Écoutez, elle va travailler normalement, tu vois. Comme ça, elle va avoir une promotion. Et si elle a une promotion, alors elle va être contente pendant 8 heures, vu qu'elle est ambitieuse. Alors, une foule ingérable. Raoula savait bien que ce n'était pas une bonne idée de commencer son spectacle d'humour aussi tard. Le public commence à chahuter et elle perd vite le contrôle de la situation. Elle peut crier pour attirer son attention ou abandonner et se taire. Écoute, tu vas leur hurler dessus, voilà. Très bien. Alors, waouh, ça a marché, le public est intéressé et même rit. Ce qui pousse Raoula à faire l'un de ses meilleurs spectacles de tous les temps. Tu vois, j'avais raison, j'ai toujours raison. En fait, non, j'ai pas toujours raison, mais voilà. Alors, on a été promue au poste chercheuse de scène ouverte. Du coup, c'est très bien, elle a gagné un porte-carte Porcupro. Voilà. Du coup, on a été promue. En fait, non, je pense pas tout à... Enfin, on a déjà été promue dans chercheuse de scène ouverte, mais peut-être qu'elle a été... Elle a peut-être été rétrogradée, j'en sais rien du tout. Mais bon, l'important c'est qu'elle a eu une promotion, et c'est très très important. Alors, est-ce qu'elle a faim ou quelque chose comme ça? Oui, elle a faim. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nettoyer ça, ouvrir, voir s'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Il y a ça, en effet. Alors, après, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller aux toilettes, et on va aller, enfin, on va aller dire bonjour aux voisins, écoutez, je ne sais pas. Vu qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et que on a quand même rien fait de très très important depuis le début de notre aventure. Du coup, pourquoi pas aller dire bonjour à un voisin. Pourquoi pas, j'en sais rien, moi. Là, tu vas nettoyer ça. Voilà, du coup, maintenant que t'es bien... on va voir les amis de Raoula. Oh! 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 Écoutez, on va l'inviter à venir. Vas-y, Karl va venir. Bah, en fait, lui, c'est un très très bon ami de Raoula. Enfin, oui, de Raoula. Du coup, vas-y, rentre. Action. Bon. Putain, on va lui complimenter la tenue, tu vois. Bon, on est vraiment très très amis avec lui. Ah, il est en colère. Ah, il est en colère. En colère. On va essayer de le calmer, tu vois. Voilà, maintenant il est heureux. Du coup, c'est beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre de l'eau? Non. Non, Raoula ne prend pas de l'eau. Parle avec ton ami tant qu'il est là. Le complimenter sincèrement. Du coup là il est vraiment un très très bon ami. On va lui demander de devenir notre meilleur ami, voilà. Du coup je ne sais vraiment pas d'où il sort lui, mais c'est une très très bonne surprise. Écoutez, Raoula Pixel et Karl Gray deviennent les meilleurs amis. Malheureusement, non, ce n'est pas fait. Du coup elle est très très heureuse maintenant. Vu que elle a un nouveau meilleur ami. Non. Arrête pas. Bon, s'il te plaît. Plus de choix, demander de partir. Amical. Autre sim. Cliquer un autre sim. Et on va critiquer Julien Fontaine, je sais pas. Alors, elle est très très contente. Elle est heureuse plus 2, ici. Du coup, vu qu'elle a rencontré... Enfin, qu'elle a eu un nouvel ami. Ici, elle est heureuse, vu qu'elle a une... Enfin, vu que la conversation est agréable.
Cela a l'air épouvantable. Je parlerai moi-même à Julien. Oh. Et Goody, il se fait un peu tard. Parce qu'on va lui demander de partir. Malheureusement. Alors, je dois vraiment y aller. C'était très sympa. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dormir. De toute manière, on a rien d'autre à faire. On va dormir et de bon matin, on va se lever. On va briser le monstre sous le lit, vas-y. On va toujours faire ça. Vas-y, bonne nuit. Ou ouais, elle devrait dormir elle aussi, je pense, c'est le travail demain. Non, elle ne travaille pas demain. Alors, s'entraîner à écrire des blagues ou jouer du violon. Enfin, jouer d'un instrument, mais bon. Moi, je veux qu'elle joue du violon. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger. On va nettoyer ça. On va prendre une portion de salade. Puis on va jouer du violon. Jouer pour trouver l'inspiration ou jouer un morceau. Puis on va jouer pour trouver de l'inspiration. Ah bah elle est inspirée, justement. Du coup tu ne vas pas jouer pour trouver de l'inspiration, mais tu vas jouer un morceau. Traditionnel. Y arriverai-je, fleur de juin, je rentre à la maison, la tarte par la fenêtre. Écoutez, la tarte par la fenêtre, bien sûr. C'est très très connu. Et c'est une très très bonne musique. Voilà la tarte par la fenêtre. Ah, c'est bizarre. Bon bah écoute, tu vas juste jouer. Écoute, tu t'es vraiment très très amélioré. Je trouve que c'est très bien. Du coup, tu vas me cuisiner quelque chose, vas-y. Cuisine-moi des haricots saucisses. Ouais. C'est bien les haricots saucisses. Je sais même pas ce que c'est, mais bon. Déjà, à première vue, ça m'a l'air d'être un plat bizarre, tu vois. Après, on va ranger ça. Voilà. Alors, est-ce qu'elle travaille dans 1 heure? Non, maintenant, elle travaille de 17h à 23h. Du coup, elle a toute la journée. Oui, toute la journée, je dis bien toute la journée. Tout le jeudi. Écoute, tu vas aller aux toilettes déjà. Puis joue du violon. Enfin, je sais pas moi. Vas-y, joue pour trouver l'inspiration vu que t'es plus inspiré. Vas-y, va voir ce que ça fait. Ah, mais elle est inspirée maintenant. Écoutez, moi je trouve que Raoula s'est beaucoup améliorée, sauf que ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'elle fait ça en tenue de nuit. Du coup, maintenant, elle est inspirée. Du coup, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer un morceau traditionnel. On va faire Y arriverai-je. Vas-y. Aïe. Bon, écoutez, au pire, tu vas t'entraîner vraiment parce que les morceaux, c'est vraiment trop court. Carl Gray se demandait si je voulais lui rendre visite. Bien sûr. Bien sûr, il n'y a aucun problème, Carl, écoute. Carl, il n'y a vraiment pas de problème. On y va et ça va être l'occasion de voir sa maison. Du coup, quelle est la maison de Carl? Et je dirais mon premier avis. Pourquoi pas aussi en faire notre mari, j'en sais rien moi. Mais bon, ils ont l'air vraiment d'être très très amis. Du coup, je verrai. Je verrai bien. Maintenant, Raoula est très inspirée, du coup, elle pourra lui parler, voilà. Parler de rêve. Discuter de. Ouais. Illuminer la journée de quelqu'un. Vas-y. Bon, écoutez, je pense que ça ne sert plus à rien qui est cette femme. Katrina Caliente. Voilà. Du coup, en fait, je pense que ce n'est plus la peine de continuer à être amis. On va
aller vers l'amour et on va l'enlacer, vas-y. Je sais pas moi. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Ah, malheureusement. Heureusement, cela ne marche pas très bien. Bon. On va proposer un plan fou. Bref, on va continuer nos discussions normales. On essaiera, on essaiera. Attendez, on va demander qu'il nous montre une tenue. Genre une de ces tenues, je sais pas moi. Action. Demander de voir une autre tenue. On va voir sa tenue de sport, vas-y. Pourquoi pas. D'accord, il fait du sport comme ça, lui. Ouh. Alors, je comprends rien du tout de ce qu'ils disent. Mais bon, on va pas perdre de temps. Ah, il nous laisse. Est-ce qu'on peut rentrer chez lui? Vas-y, on va lui complimenter l'apparence, je pensais. C'est ça qu'il faudrait faire pour commencer. C'est avec ceci qu'on devrait commencer. Est-ce qu'il est célibataire? Oui. Non, Julien Fontaine, t'es moche. Oh. Oh oui! Enfin! On y est arrivé. On y est arrivé. On va profiter du fait qu'il soit enjôleur. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Mange un petit peu, Raoula, quand même. Mange un petit peu. Va aux toilettes. Je pense que c'est assez pour l'instant. Je pense que c'est assez pour l'instant. Je pense que pour l'instant c'est assez. On a même raté. Même raté le travail. Ah non. Il y avait pas. On travaillait pas aujourd'hui. Du coup, ce qu'on va faire. On va prendre une douche froide. Je sais pas. Après, Raoula, tu vas aller à ta maison. Tu rentres chez toi après. Et voilà, tu peux repartir tranquillement pour aller dormir. Alors je pense que t'es déjà resté assez longtemps avec Karl. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que en face de Karl notre mari. Sérieusement, parce que moi ça me pose aucun problème, tu vois. Je suis Raoula la séductrice. Je peux tous les séduire, comme j'ai fait avec Karl. En fait, Karl, en fait, on était déjà très très amis depuis le début. Du coup, pour les autres, ça va être un peu plus difficile. Alors, on
revient à la maison, il y a Wafa qui est réveillé. On va pas lui piquer son lit. Et on va dormir tout de suite. Par contre, on a oublié de vaporiser le monstre sous le lit. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un monstre sous notre lit? Personnellement, moi, je vois pas de monstre. Mais bon, on sait pas. Après, Yawafa, elle est folle, elle reste jusqu'à la nuit, tu vois. Jusqu'à 2h du matin, elle regarde la télé, ouais. Aucun problème. Mais du coup, vu qu'on n'a pas le droit de la contrôler, du coup, on va rien faire. On va rester avec Raoula. Par contre, si Wafa dort pas, ça va être énervant, puisque le temps va pas passer vite. Et si le temps ne passe pas vite, dans option de caméra. Oh non! Le temps ne va pas passer vite. C'est très très énervant, c'est très très c'est très très embêtant. Ah, j'ai fait une capture d'écran sans faire exprès. On va enlever ça. Bon, écoute, on va pas dormir plus que ça. Enfin, si, si. Vas-y, lève-toi maintenant. Va manger. Habille-toi. On va se mettre... nudité. Non, pas de nudité. On va se mettre en tenue quotidienne. Je trouve que c'est bien. Voilà. Très bien. Alors. Le travail, on travaille à 17h. Du coup, pendant le matin, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On va prendre une douche. Médiatier. Comme ça, on va être inspiré. En plus, c'est rapide. Et donc, voici Raoula. Elle vient de sortir de la douche. On va aller là. Puis, on va prendre ceci. On va s'entraîner à jouer du violon. Vas-y, Raoula, montre-nous ce que tu sais faire. Ah, je me demande qu'est-ce qu'elle va faire quand elle sera niveau 10 en violon. Parce que moi, je veux sincèrement qu'elle ait un bon niveau en violon. Je crois qu'on va se laisser quand on aura fini le travail. Ouais. Car Julien est un idiot. Tu avais raison à son sujet. Ah bah voilà, Karl, il est d'accord avec moi. Julien, c'est un idiot. Tu vois, lui, Julien. C'est qui Julien déjà? C'est lui, regardez-moi. Regardez-le. Voilà, lui, relation voisin, meilleur ami, tourtereau. Elle, c'est juste mon ami. Du coup, on a 24 heures pour payer les factures. Arrête-toi tout de suite, s'il te plaît, Rabla. Va payer les factures. Oh là là, c'est cher. C'est très cher. Voilà. Du coup, quand même, c'est assez cher. Ouais. C'est très très cher. J'aime pas trop les impôts. Je pense qu'un Sims ambitieux, genre, ils auraient dû rajouter quand il payait les impôts, il est pas content, tu vois. Moi, j'aimerais pas payer d'impôts. Heureusement, je suis encore petit. Je paye pas d'impôts. Ça c'est le truc anti. Me demande pas ce que je cherche. Y'a un Pokémon Go, Go, Go. J'ouvre l'aileron, j'suis pas la mère. J't'éblouis comme un Kamehameha. Mauvais garçon, cherche une fille bien. Les bons garçons trouvent que des tchouins. Ton gars là c'est une grosse victime. Il tiendrait pas une seconde en zoo. Non, elle est venue avec moi, pas avec toi. Tu payes sa conso, elle part avec toi. On est des blagues.